Bienvenue sur la course route des Jeux Olympiques de Los Angeles. Nous sommes le 29 juillet, 190 km au programme sur un circuit vallonné dans la chaleur. Et bien sûr, avec ce type de parcours, il va y avoir une sélection qui va se faire puisque 11 coureurs vont se dégager du peloton parce qu'ils étaient les plus forts, avec notamment 4 coureurs américains, Greal, Finney, Rogers, Kiefel. Deux Norvégiens, un Canadien, un Mexicain, etc., etc. D'ailleurs, le Mexicain, il s'agissait de Raúl Alcalá. Et dans les derniers kilomètres, on va voir l'offensive de l'Américain Greal, vainqueur notamment du Mount Evans Hill. Il va être rejoint quelques kilomètres plus loin par Steve Bower, le Canadien, notamment couronné trois fois champion du Canada sur route. Ces deux coureurs vont parfaitement s'entendre puisque derrière les deux Norvégiens, Lauritsen et Sater, vont rouler. Il reste encore une vingtaine de secondes à un moment d'amorcer le sprint final. Le public est en ébullition et le coureur américain Alexi Greal va battre au sprint le Canadien Steve Bower pour amener une belle médaille d'or aux États-Unis. Du côté de la médaille de bronze, c'est Dag Otte Lauritsen qui la prend devant Morten Sater, Davis Finney 5e devant Rogers, Rob Pratt, Mora, Kiefel, Trinkler et Alcalá.